tête de tirer. Je suis désolé, tout le monde me fait des petites faces pendant que je suis en train de parler directement live en web diffusion. Donc, j'ai même d'anciens athlètes qui me font des gestes amicaux présentement. Malheureusement, comme c'est pas à la télévision, vous ne pourrez pas le voir. Le match est débuté. Madame Carlis McCann prend les devants 1 à 0. L'arbitre est M. Harris des États-Unis. Madame Kraniak qui égalise la marque 1 à 1. Bel échange ici. Madame Kraniak qui porte la touche. Les officiels mineurs demandent aux athlètes de bien se centrer. Coup double. 3 à 2 en faveur de Madame Kraniak. Madame Carlis McCann qui porte l'attaque et qui est parée par Madame Kraniak. C'est 4 à 2. À distance, Madame Carlis qui force et qui force la touche et réussit à remettre la touche à son adversaire. C'est 3 à 4. Oh, l'attaque de la Britannique qui est bien parée, poussée sur le plastron métallisé pour faire une riposte et c'est 5 à 3. La Britannique qui lance l'attaque et c'est 4 à 5. Le match est serré. On assiste à des bons échanges. Madame Kraniak qui porte l'attaque, malheureusement qui ne touche pas. Et c'est 5 à 5. Ah, même chose, Mme Kraniak qui se lance à l'attaque et qui présente à son adversaire une portion de sa main et elle en profite. Et la reprise d'attaque de la Britannique. Et c'est 7 à 5. La Britannique qui a 2 points d'avance. Il ne faut pas compter sur Mme Kraniak comme étant battue à 2 points d'avance. 2 minutes 25 à faire coup double. C'est 8 à 6. 2 minutes 25. Oh! Ici, on a eu un départ hâtif de Mme Kraniak qui fait qu'elle a eu un carton. Cependant, le pointage n'a pas été ajusté. C'est 9 à 8 en faveur de la Britannique. Oh! Encore là, la Britannique force la note, présente la lame
présente la main à son adversaire, ne touche pas, et l'autre en contre-attaque réussit à placer pour recadrer le match à 9-9. Un match serré. Oh, en finale, l'attaque de Mme Kraniak qui bloque, on appelle ça une prise de fer, la lancée de la Britannique. Oh, la touche de la Hongroise, et c'est 11-9. Oh, la Britannique qui, sur le départ, fait une prise de fer, il est touché à Kraniak. C'est 10-11, on demande à Mme de se replacer. Et c'est la remise d'attaque. C'est 11 partout. C'est toute une fin de match. Il ne reste que quelques touches à mettre. Et le coup double. 12 partout. Oh! Carton. C'est le carton sera attribué à la Britannique. Donc, un carton de chaque côté. Coup double, 13-13. Nos deux athlètes vont nous faire un match serré jusqu'à la fin. Oh! Halt! Ah, oh, c'est la première fois qu'on voit ça. Même les arbitres d'expérience n'ont jamais vu ça. La pointe s'est coincée entre le tablier et une partie de la chaise de l'athlète en dessous. Donc, la pointe est restée coincée. À 13, 2004. Oh! C'est la Britannique qui réussit à faire une parade riposte sur l'avancée de Mme Kraniak. Fait parade riposte et place la touche. 14-13. L'attaque! Non, la remise d'attaque touchée. C'est la victoire pour la jeune Britannique Gemma Collis-McCann, qui est la championne 2018 du défi sportif à l'épée féminine catégorie A. Toute une fin de match ici. Et une belle victoire. On se prépare pour la finale du fleuret masculin catégorie B. De retour d'ici quelques minutes.